On poursuit avec une nouvelle passe d'armes aujourd'hui entre la majorité et l'opposition lors du conseil municipal de la ville de Lyon. En cause, cette fois, la fête des Lumières, jugée trop terne par Yann Cuchera, l'ancien adjoint aux grands événements. Il s'en est pris notamment à l'œuvre projetée sur la place des Terreaux, le lapin dans la lune. Écoutez-le, suivi de la réponse de Grégory Doucet. Nous nous sommes étonnés de l'œuvre présentée place des Terreaux. À chacun son art. Mais ce conte aztèque, le lapin dans la lune, nous a déroutés. Comme nous a étonné ce choix d'un sacrifice viandard en diable de la part d'une majorité verte, habituellement allergique à l'idée même de viande morte et à consommer. Je regrette, Monsieur Cuchera, que vous ayez vu dans Le Lapin dans la Lune simplement un exemple de vidéo de marmiton.com de préparation du pâté croûte, mais moi, c'est pas du tout ce que j'y ai vu. Et je pense que les 180 000 personnes qui y passaient chaque soir ont vu autre chose. Et je pense que beaucoup, notamment des plus jeunes, étaient ravis de pouvoir découvrir un conte aztèque, même si ce dernier, effectivement, se termine par le sacrifice du lapin. Dans le feu de bois, c'est comme ça. On va pas refaire la cosmogonie aztèque.